Le menhir sous le bras, la Bretagne est donc venue au Lion d'Angers avec le numéro 9 qui s'appelle Jubalari Wooster, présenté par Théophile Melou, le commissaire des stars, une fille de LM Park et Jubalari Wooster par Discover d'Auteuil. Donc, cette pouliche née le 21 avril est Tarzan comme son père de mère, Discover d'Auteuil. Il a été un excellent cheval à Auteuil, d'ailleurs, sous entraînement de Elie Louche, avant de devenir un étalon assez marquant, mort à cause de sa libido trop forte. Et marcher ? L'inverse de Zenon, on va pouvoir marcher, le discours d'Auteuil qui était comme vous voulez, si elle marche bien ou pas. Daniel Lassosset, à Lignière, à côté de l'Orme. Il a une telle libido qu'il a fini par casser toutes les portes et dans une crise cardiaque. C'est la famille de Rosendeux, on connaît bien là des consonances bretonnes, Rosendeux, qui avait remporté sur cet hippodrome du Lion d'Angers le prix de Ligue Briand, le dernier des AQPS, avant de terminer 3e du prix d'avenir à Nantes. C'est aussi le Drive Again, 2e du prix du Bourbonnais, toujours en plein. Levez la main gauche, je le dis. Alors, certes, du Ballary Booster n'a pas couru, mais elle est sœur de Malbalari Booster. Une fille de baroude d'honneur qui compte 5 victoires, dont l'une importante, ici même, au Lion d'Angers, dans le prix de la Rousselière. Au trot en liberté, Théophile, qui s'est habillé en sportif hein, pour l'occasion, sait qu'il devra sprinter devant le jury, et poursuivi par une foule sauvage, et voilà, qui lui marche sur le pied, il en a perdu sa tennis. Quelle allure! Fière et conquérante. Jubalari Wooster, une fille donc de ELM Park, le même fils du méconnu Phoenix Rich, un excellent cheval de course en Angleterre puisqu'il s'était imposé à ELM Park, le Racing Post Trophy sur l'hippodrome de Doncaster, groupe 1, en fin d'année de 2 ans en Angleterre, sur 1600 mètres. Une épreuve très importante qui fait la même loire du Saz chez Roger Simon. Un petit coup à deux. C'est bon.